Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook Like a Champ pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose de faire un bar au citron et petits légumes pour ces fêtes de fin d'année. C'est parti, on regarde les ingrédients et on fait la recette. De la nette, des myrtilles, un poivron rouge, des citrons non traités jaunes, des courgettes de deux couleurs, un bar, du sel, du poivre, de l'huile d'olive seront les ingrédients de cette recette. C'est parti, on fait la recette. Concernant votre bar, comme vous pouvez le voir, il a été fait en portefeuille, c'est-à-dire qu'on a enlevé l'arête par le dos. Donc demandez à votre poissonnier qu'il vous enlève les arêtes par le dos de vos bars. Après avoir passé les courgettes sous l'eau, vous prenez votre mandoline et on va les tailler en très très fines juliennes, style spaghetti de courgettes. Je vais faire ces spaghettis de courgettes à la mandoline. Alors que vos spaghettis sont finis, vous allez préchauffer votre four à 190 degrés et vous prenez votre poivron jaune et on va en faire une fine julienne. Le poivron étant terminé, vous prenez votre aneth, vous l'émincez d'un côté et vous en faites des belles peluches de l'autre. L'aneth est prête, donc je vais mettre maintenant mon bar à cuire au four qui est préchauffé à 180 degrés. Je prends une plaque de four, je mets un style-pâte ou un papier cuisson, j'y dépose mon bar qui a été levé, comme je vous l'ai dit, en portefeuille. Je prends du sel, j'assaisonne l'intérieur en sel, en poivre et en huile d'olive. Maintenant que vous avez mis de l'huile d'olive, vous prenez votre râpe de citron et vous râpez votre citron non traité, mais vous l'avez quand même passé sous l'eau. Râpez, voilà. Et vous mettrez quelques zestes de citron. Et ensuite, on enfourne. Voilà, je viens d'enfourner notre bar. Pendant qu'il va cuire, on va finir de zester notre citron et en faire du jus. Voilà, ça fait 10 minutes que notre poisson est en train de cuire dans le four. Il est parfait, juste cuit, pas trop. Maintenant, on prépare le petit mélange de légumes et on dresse notre poisson. Dans un saladier, on met les spaghettis vert clair, les spaghettis verts, quelques juliennes de poivron, un petit peu de zeste de citron, de l'aneth émincé. On mélange, on assaisonne sel, poivre, huile d'olive. Du citron. Et on mélange. Et à la fin, n'oubliez pas d'y rajouter vos myrtilles. Donc mélangez bien et on dresse notre poisson. Sur une assiette de fête, vous y disposez votre poisson. À l'intérieur de celui-ci, vous allez mettre votre mélange de courgettes, poivrons jaunes, myrtilles. Maintenant, vous y mettez quelques zestes par-dessus et vous décorez avec vos cluches d'aneth. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu et séduira vos amis si vous la leur faites. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires, n'hésitez pas non plus à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne Cook Like a Champ. Nous, on se retrouve très très prochainement pour encore de nouvelles recettes pour les fêtes de fin d'année. Salut à tous!